Amiri. Un moment, Amiri. Montre-toi. Je sais que tu es là, je sens ton odeur. Montre-toi. Tu avais un accord avec Emily. Pourquoi l'as-tu brisé? Mais je n'ai rien fait de mal. Et tu le sais bien. Je ne peux pas être comme d'autres filles. Tu es déjà comme elle. Du fait que je t'ai tombée amoureuse de ces garçons. Je savais que ceci allait arriver. S'il te plaît, écoute-moi. Dis à mon amour, mon espoir de vivre, que je ne mettrai jamais mes sentiments envers lui en doute. Le fait que je côtoie Obina ne veut pas dire que je lui ai abandonné. Tu t'enfonces encore, sans le savoir, et je peux bien le constater. Mais comme tu l'as dit, j'ai donné ton message. N'oublie pas, tu es tout à lui, ton corps, ton esprit, ainsi que ton âme. La fatigue bat son plein. Mon amour? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a retenu pendant si longtemps? Parce que je ne t'ai pas vu depuis un moment. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Hey! Ah, c'est bien. J'avais très mal au ventre, alors j'étais allée me soulager. Mais ça va maintenant. Non, mon amour, tu ne vas pas bien. Tu sais que je t'ai promis qu'on ne va jamais souffrir. Mais maintenant... Tu souffres de maux de ventre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, Bim, t'inquiète. Je dis que ça va maintenant. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Ça va très bien. Dois-je aller dans la brousse te trouver quelques plantes? Ah, ce n'est pas important. Je dis que ça va bien. Es-tu sûr? Oui. D'accord. Je pense qu'il va pleuvoir. Je devais aller trouver un peu de bois de chauffage. Mais je ne sais pas. Je crois qu'il va pleuvoir. T'inquiète. Il ne va pas pleuvoir. Non. Terminons juste et rentrons à la maison. Il s'est fait déjà tard. Ah, Ney, tu es rentré? Oui. Et tu n'as pas commencé à préparer? Ah, tu es essoufflé comme ça. J'espère que tu t'es pas chamé avec Onou. Je n'ai pas de temps pour des questions-réponses. Hein? J'ai très faim. Je dois manger. Ok. Laisse-moi t'apporter d'abord les ignames. Tu vas te réjouir avec. C'est ce que j'ai mangé le matin. Je ne veux plus du tout manger ça. Je ne suis pas la personne qui mange que des ignames. Je ne veux plus cocher de le manger. Ok, seulement calme-toi, hein? Relax, je vais te faire une soupe et je vais me dépêcher. S'il te plaît, essaie vraiment d'être rapide. Et s'il te plaît, trouve-moi aussi de l'eau à boire. Ok, pas de problème. Il est où ton fils? Ah, je ne sais pas. Il est sorti de la maison ce matin. Je ne sais où il est allé. Écoute-moi. Et toi et moi savons que ton fils, Obina, n'est pas allé chasser. Si nous essayons de vérifier partout dans ces villages, nous remarquerons qu'il est en train de repartir par là avec la fille de Guamou. Naï, pourquoi tu peux dire ça à ton fils? Il est allé faire la chasse, je sais. Tu dis qu'il est allé chasser? Je te jure. Jure alors qu'il est allé chasser. Naï, laisse-moi préparer pour toi. Je sais que tu as faim, oh. Oh. Ah, Obiora, ma fille. Ce bois de chauffage n'était-il pas si lourd pour toi à porter? T'inquiète, papa. Je vais bien. Oh, ma très aimable fille.
Je bénis les dieux le jour où ils m'étant donné. Hey, quelle merveilleuse fille. Je sais que tu l'apprécies. Je ne sais pas pourquoi tu m'as épousée à la place d'épouser ta fille. Je ne sais pas. Ah, Ona, j'ai fait de tout mon possible pour te rendre heureuse dans cette maison. Oh, ok, ne t'en fais pas. Demain, j'irai au marché d'Oriago et je t'achèterai quelque chose de très spécial. Tu sais, tu es ma mignonne épouse. Mon amour. Hey, ne commence pas avec tes flatteries. Regarde-moi. À mon âge, je suis sans enfant. Et ça ne te dérange pas, juste parce que tu as Obioma. Regarde-moi. Hein? C'est tout ce que tu sais faire, fuir. À chaque fois que je parle de ma stérilité, tu les prends mal. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu les prends mal. Et toi, pourquoi tu as traîné à la forêt? Traîné? Mais je suis venue très tôt, non? Ce n'est pas ça ma question. Tu n'étais pas avec le fils d'Akuna, Obina, là-bas à la forêt? Tu ne me réponds pas? Je sais que tu ne peux pas répondre. Une fille est hantée. Écoute-moi. Avant demain matin, rassure-toi de faire tout le travail dans cette parcelle. Si tu ne fais pas. Papa, bon après-midi. Allez, reviens ici. Un imbécile. Cher garçon. Où se trouve alors cette viande que tu nous as ramenée? Tu as dit la viande? Oui. Je suis revenu avec aucune viande. Non. Comment vas-tu revenir avec une viande lorsque tu as choisi d'être inutile pour la vie? Tu continues à suivre le principe de la fille de Guamo. Dis-moi, comment est-ce que tu vas aller chasser? Tu n'as pas honte? Hein? Regarde, c'est de ton âge. Tes amis sont occupés à faire de bonnes choses dans leur vie. Ils chassent, ils font du champ, ils gagnent de l'argent et ils se marient. Ne peux-tu pas faire comme tes amis? J'ai vraiment honte de toi. Mais papa, je ne sais pas pourquoi est-ce que à chaque fois que tu veux me parler, tu mentionnes toujours mes amis. Hein? Tu parles de ceux de mon âge à tout moment. Et qu'est-ce que ceux-là ont déjà réalisé? Plutôt, j'ai déjà réalisé quelque chose dans ces villages. Non, dis-moi ce que tu as déjà pu réaliser. Je suis un chasseur. Qu'est-ce que tu as pu chasser? C'est quand la dernière fois que tu as pu ramener un morceau de viande dans cette maison? Tu fais semblant d'être un chasseur. Arrête de dire ça, tu laisses écouter. Continue de te comporter comme ça, nous allons voir si tu vas continuer à vivre ici non, dans cette maison. Non, c'est bon. Obina est notre fils. Le seul que nous avons. Hein? C'est très très clair pour moi, Oloma, que tu es celle qui détruit ces garçons. Oui, tu es celle qui encourage toutes ces bêtises. Hein? Regarde un peu son ami, Okena, le fils d'Idigo. Il fait du chant et il va bien. Combien de portions de terre est-ce que je possède? A-t-il accepté de travailler sur une? Il est plutôt occupé à suivre cette fille de Guamo. C'est quand la dernière fois qu'il a mené ne serait-ce qu'un morceau de roi dans cette maison et tu dis qu'il est un chasseur? Naï, Obina fait de son mieux. Mm-hmm. Nous devons les soutenir non les critiquer. Mais soutenir, c'est ce dont j'ai besoin. Mais soutenir. Nous devons les soutenir? Je dois les soutenir de suivre par-ci par-là la fille de Guamo? Que je le soutienne en faisant quoi? Dis-moi, en quoi est-ce que je dois les soutenir? Je sais qu'un jour, il va arriver. Mm-hmm. Oui. Il deviendra un homme. Oui, pas de problème. Pour l'avoir encouragé, il ne va pas manger aujourd'hui dans cette maison. Oui, comme tu dis que tu as déjà réalisé quelque chose. C'est bon. Je te pose un poids sur ta tête et tu dis que tu as déjà réalisé quelque chose. Si ces garçons mangent aujourd'hui dans cette maison, tu aurais de problème avec moi. Apporte-moi moi. Si tu connais la fille de Guamo, tu ferais mieux d'aller prendre la nourriture là-bas pour que tu manges. Comme c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Regarde-moi cet enfant. Un bon à rien. Celle-là se promène toute seule aujourd'hui. Je pense que Obi l'a quittée, non? Je doute fort, parce qu'elle a des gens ensorcelés. Voilà pourquoi il le suit partout.
Bien. Oh. J'aurais même appris que c'est à cause d'elle que Samara n'arrive pas à mettre au monde. C'est possible. Écoute, si elle a tué sa mère, elle peut faire n'importe quoi. Obanja, nous sommes dans ce village ensemble. Nous allons voir la fin de cette histoire. J'ai confiance à Ona. Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas que Ona le laisse vivre en paix dans cette maison. Je sais qu'elle vit le pire dans cette maison. Ah, ma chérie, s'il te plaît, allons-y. S'il te plaît, allons-y. Petits. Allons-y, ma chérie. Michael, tu peux arrêter ça. Je ne suis pas d'humeur, s'il te plaît. Mon amour, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qui t'a pris beaucoup de temps? Tu connais très bien la femme qui est chez nous, qui cherche toujours un moyen de m'attaquer. Je t'ai déjà dit. Permets qu'on se marie, hein? Et tout ceci finira. Je suis fatigué de tout ce jeu de cache-cache. C'est soit que je vais à la rivière, que je t'attende là-bas, ou que je vienne ici à la brousse pour t'attendre. Hein? Ça veut dire quoi tout ça? Toi et moi savons bien que ton père ne va pas du tout l'accepter. Parce qu'il me déteste. D'ailleurs, c'est tout le monde dans ce village qui me déteste. Ok, lorsque je venais ici, j'ai vu deux filles comme ça. Adana et Utonwa. Elles me regardaient en se moquant de moi juste comme ça. Alors tu vois? Tout le monde me déteste. Mon amour, mais tu devais me dire que c'est la raison pour laquelle tu étais fâchée. Écoute, attends que je te dise une chose. Hein. Elles sont jalouses de toi. Oui, parce que c'est toi la fille la plus belle de tous ces villages. Tu es tellement incomparable. Ok, écoute ce qu'on va faire. Je vais aller dans les maisons de leurs parents. Et je vais sévèrement les avertir de rester très loin de toi. Ah non, s'il te plaît, n'ose pas le faire. Ça va compliquer les choses pour moi. Tu sais quoi? Allons puiser de l'eau. Ma belle-mère m'a demandé de puiser de l'eau rapidement pour la maison, s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que cette femme te traite comme ça? Tu n'es pas son esclave? Mon amour, accepte qu'on se marie et viens vivre avec moi dans notre arrête maison. Arrête cette histoire de mariage. Arrête-moi ça. Je ne suis pas prête pour le mariage. Arrêtons ça, s'il te plaît. Allons puiser d'abord de l'eau. D'accord, alors, c'est bon. Salutations. Comment vous allez? Vous allez à la maison? Oh non, je vais rendre visite à quelqu'un. J'espère que tout va bien. Parce qu'on voulait vous apporter un peu de bois de chauffage. Oh yeah, c'est très gentil de votre part. J'ai vraiment apprécié. Hein? En fait, je vous récompenserai si vous le faites. Merci okay. Pour ça. Alors, vous rentrez quand? Je ne sais pas encore. Ça pourrait être tard dans la nuit. Ok. Ok. Bye-bye. Bye-bye. Je l'aime. Il est beau. Vraiment, il est beau. C'est ce que je dis, vraiment. Tu sais, je vais préparer tout ce que tu aimerais que je prépare. Arrête. Je vais tout préparer. Mon amour, je pense qu'il va pleuvoir. Il va encore pleuvoir. T'inquiète, il ne va pas pleuvoir. Non. Ne regardes-tu pas le ciel? Je dis qu'il ne va pas pleuvoir. Hein, s'il te plaît, attends-moi ici, je prends quelque chose, j'arrive. Où vas-tu? Je reviens, je prends juste un truc ici. Attends-moi, j'arrive. Attends qu'on parte ensemble, où j'ai vas-tu? J'ai dit attends, fais ce que je t'ai demandé. Mais... Alors, il pense déjà au mariage? Ah, maman, mais tu emmènes ça trop loin. Tu sais que je ne peux pas me marier. Alors, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Je n'ai encore rien commencé.
Ces jeunes hommes appelés Obinna nous intéressent énormément. Sa façon de t'aimer cause beaucoup de choses à Ezemili. Et une autre chose intéressante chez lui, c'est que son chi est très fort. Une force très incomparable. Je sais. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas lui faire du mal. J'ai pensé que je t'avais dit que tu n'es pas attachée à lui. Comment sais-tu que je ne peux pas lui faire du mal? Je vois. Je sais à quoi tu penses. Mais Ezemili n'est pas comme ça. S'il te plaît, arrête de nous déranger. J'ai promis de ne pas blesser Ezemili. Je lui appartiens corps, âme et esprit. Alors s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Je vois. Tu es amoureuse de lui. Je ne peux pas lui faire du mal, mais Ezemili le peut. Rappelle-toi qu'il voit tout. Il te regarde. Hein, mon amour? Où est mon galon? Je n'arrive pas à le trouver. Hein? Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai laissé ici. Attends. Étais-tu parti quelque part? Je suis allé nulle part. J'étais juste là. J'essaie juste de cueillir. Regarde ce fruit-là. J'essaie juste de cueillir ces fruits. Puis après, je ne sais qu'est-ce pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'avais laissé ici. Que veux-tu dire par tu ne sais pas? Que dois-je faire maintenant? Je ne serai pas allée à la maison sans ces galons. Ma belle-mère va me frapper à mort. D'accord, alors, j'ai une idée. C'est quoi le plan? Attends-moi, j'arrive. Nken. Oui, papa. Bienvenue chez moi à la maison. Merci, monsieur. Alors, désolé, je n'ai plus de réserve en vin de palme à la maison. Il n'y a pas et tu de sais, problème. Je me partage maintenant le vin avec ma femme, Ona. C'est une très bonne chose, non? Il y a plusieurs familles qui n'ont même pas le temps de le partager. Et si vous le laissez quelque part, ça va rester pour vous. Vraiment, c'est ce que tu dis. Mais oui. Mais ne t'en fais pas. Quand tu vas te marier, alors tu comprendras. Parlons du mariage. Vous savez qui est? C'est en fait la raison pour laquelle je suis ici. Je souhaite vraiment que votre fille soit mon épouse. Oh, mon fils. Oui. Bienvenue une fois de plus. Merci, monsieur. C'est une très bonne chose d'être venu aujourd'hui. Ah, c'est vraiment une raison de joie. Merci, monsieur. Écoute, le comble, c'est que tu sais très bien que ma fille est l'unique enfant que j'ai sur cette terre. C'est mon unique enfant. Et c'est mon unique noix de palme que j'ai sur le feu. Est-ce que tu comprends? Je ne voudrais jamais la perdre. Oui, tu es un jeune homme prospère. Tu as vraiment un avenir radieux. Je crois qu'aucune fille ayant tous ses sens pourra dire à un jeune homme comme toi non. Hein? Alors, bienvenue. As-tu déjà parlé avec elle-même? Non. Je m'étais décidé de vous parler en premier, comme signe de respect en tant que père. Je n'ai pas voulu sauter les étapes. Vous savez, j'ai dit que je vous parle d'abord en premier. Comme ça, vous m'aiderez à vous parler. Oh, ton père était une très bonne personne. Je suis convaincu que de là où il est vraiment fier de toi. Parce que t'entendre parler, il te fait preuve d'une personne responsable. Merci beaucoup, Ichi. Hein? Ok. Ne t'en fais pas. Je lui parlerai moi-même. Merci, monsieur. Merci, monsieur.
Mon amour? Ou bien ne me dis pas que tu as volé ces galons. Non, non, je ne l'ai pas volé. Ah, ah. Comment est-ce que je peux le voler? Si tu ne l'as pas volé, où est-ce que tu as eu ça? Dis-moi un peu. Mon amour, est-ce que c'est important? Ce qui est important, c'est que tu aies maintenant un bidon à ramener à la maison. Hmm? Je ne puiserai pas de l'eau avec ces galons. Si tu ne me dis pas où tu as pris ça. Hmm. D'accord, alors comme tu veux savoir. Ça appartient à ma mère. Je sais à quoi tu penses. Je lui avais promis de lui acheter un autre. Je l'ai emprunté d'elle. Puis je lui ai promis de lui acheter un autre. Après que j'aurais vendu un peu de viande que j'aurais trouvée après avoir chassé. Écoute, tu dois remettre ça à la maison après que je ne puise de l'eau. C'est ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. D'accord, alors si c'est ce que tu veux, pas de problème. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui puise de l'eau. Merci. On peut maintenant partir. Où est ton partenaire? Quel partenaire? Combien de partenaires as-tu? Obina, bien sûr. Oh, tu penses, je ne sais pas, que celui qui te fait passer tout le temps en dehors de cette parcelle? Tu as de la chance parce qu'il t'aide. Sinon, j'allais te montrer de quel bois je me chauffe cet après-midi. Ogwanche. S'il te plaît, ne m'appelle pas par ce nom. N'est-ce pas que tu es Ogwanche? Mais réponds-moi, non? Tu n'es pas Ogwanche? Oh, 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 oh. Tu penses que tu vas me tuer comme tu as tué ta mère? C'est ça, dis-moi. Cela ne va jamais arriver. Essaye avec moi. Hein? Je vais te montrer de quoi je suis capable. N'importe quoi. Quitte devant moi. Bien, bien. Oh, oh, Ona, c'est quoi ton problème? Tu veux que cette fille fasse tous les travaux ménagers dans cette maison? Toi, je ne te blâme pas. Ben, voyons. Je ne te blâme pas. Tel père, telle fille. Bon, toi, hein? Ok. Allez, viens. Viens, ma fille. Viens. Prends place. Assieds-toi. Holy. Assieds-toi, ma fille. Assieds-toi, hein? Et je t'assure que tout se passera très, très bien. Ma fille, essaye juste de normaliser toute cette affaire. Hein? Je sais que tu m'apporteras le sourire un jour. Tu sais que tu es une enfant très spéciale. Hein? Papa, tu as l'air heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une merveilleuse nouvelle, chérie, pour toi. Hein? Hein, papa, avant que tu ne me racontes cette histoire, j'ai une question à te demander. Pourquoi les gens m'appellent Anoumouanje? Et pourquoi tout le monde dans ce village me déteste? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Obina. Obina. Obina, je t'appelle. Obina. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Obina, tu as de la chance que je ne t'ai pas rencontré à la maison. Si je te trouvais chez toi à la maison, je t'aurais humilié devant tes parents. Et je t'aurais vraiment néanti devant tes parents. Ok, non, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Obina, laisse ma femme tranquille. Ta femme? Laisse ma femme tranquille. Obioma est l'amour de ma vie. Laisse-la tranquille. Hey! Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Je ne veux plus te le répéter. Je t'en parle maintenant tranquillement. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne veux plus le répéter, sache-le. Naturellement, je n'aime pas me répéter. Mais si tu me pousses à le faire, tu vas le regretter. Ta mère biologique a connu une très bonne expérience dans cette parcelle comme épouse à moi. 4 enfants. Elle a donné naissance à 4 enfants, toutes des filles. Et quand elles atteignaient 2 ans d'âge, elles finissaient par partir.
Et quand il lui est arrivé de tomber encore enceinte de toi, tout le monde avait dit que le bébé allait mourir parce qu'elle portait une obangée. Ouf. Alors, pendant l'accouchement, ta maman t'avait vraiment supplié de rester. Oh, malheureusement, elle n'est pas ici maintenant pour voir la belle dame que tu es devenue. Je sais qu'elle doit être fière, très fière de toi que tu sois restée. Mais papa, est-ce de ma faute que ma mère soit morte? Non, ma fille. Ça n'a jamais été ta faute. Et je suis désolée de ne t'avoir pas trouvé le genre de mère que tu mérites. C'est les gens qui m'avaient encouragé à me remarier. Mais disons que je ne pouvais pas être capable de t'élever seule. C'est bon, papa. Alors, donne-moi la bonne nouvelle. Écoute-moi très bien. Quand tu étais allé puiser de l'eau, Onkena, le fils d'Indigo, était venu ici pour demander ta mère en mariage. Onkena? Oui? Ce garçon est hanté? Pas question, je ne me marierai pas à lui. Non, dis-moi, qui veux-tu épouser? Obina? Obina ne te mérite pas. Ah, Obina ne mérite pas une merveilleuse fleur comme toi. Obina est paresseux, il est faible, il mange beaucoup. Donc il ne peut pas prendre soin de toi. Mais papa, j'aime Obina et l'amour ne regarde pas tout ce que tu dis. Je t'ai entendu parler d'amour. Est-ce l'amour que tu vas manger? Obina n'est pas capable de te protéger. Tu as besoin de quelqu'un comme Onkena. Onkena est le meilleur homme que toute femme voudrait avoir. Hein? Ce que tu vas faire, c'est rentrer, dormir, essayer d'y réfléchir. Ce sera pour toi une fierté. D'accord, ma fille? Obina, reviens. Tu ne nous as pas vus ici? C'est difficile pour toi de saluer. Maman, désolée. Papa, je te salue. Rentre comme ça. Ah. Pourquoi ta fille guérit comme ça? Tu as passé une mauvaise journée. Mm-hmm. Pourquoi ne passerait-il pas une mauvaise journée? Dis-moi un peu, comment ne passerait-il pas une mauvaise journée? Pendant qu'il est juste occupé à sauver la fille de Guamou. Il est censé passer une mauvaise journée. Hein? Au lieu de faire quelque chose d'important pour sa vie, et il est plutôt occupé à suivre la vie de Guamou. Bien sûr, il passait une mauvaise journée. Naï, écoute, en ce moment, je pense que tu dois aller épouser cette femme pour lui. Il a besoin d'une femme. Bah! Il faut l'aider à l'avoir. Maman, que Dieu te bénisse. Dieu continuera à te bénir. C'est depuis que je lui ai dit la même chose. Prends-moi Bioma comme épouse. Mais il refuse. Mm-hmm. Mmh? Sois maudit. Et toi, pour l'avoir suggéré, sois maudite. Ah. Oui, je dois lui prendre une femme. Est-ce que c'était mon père qui t'avait pris pour moi? Alors tous ces jeunes gens sont dans leur maison en train d'attendre que leur père leur prenne de femme. Moi, je dois prendre une femme pour toi. Que Dieu te maudisse. Papa, fais-le pour moi. Hmm? Je suis ton seul fils, ton seul enfant. Est-ce que je dois te le rappeler? Hmm? Fais attention. Fais très très attention. Naï, c'est bon. Hein? Je pourquoi dois prendre tu une... réagis comme ça? Tu réagis aussi vite avec ton cœur, hein? C'est ton unique fils, hein? Pardon, regarde, Obina. Onkena venait d'être ici, hein? Il était ici il y a quelques minutes. Il te cherchait. Maman, si jamais je voyais Onkena dans cette maison, je couperais ses deux jambes. Hein? Toi, tu vas couper ses deux jambes? Regarde-moi un peu cet imbécile qui n'est même pas en mesure de trouver ne serait-ce qu'un morceau de rat. Tu vas couper ces deux... Oh! Est-ce que c'est de la jalousie? Oh, tu es jaloux du succès de ce jeune homme. Donc, parce que Onkena va maintenant très bien, et c'est pourquoi tu veux couper ses deux jambes, tu es jaloux de lui. Honte à toi. Naï, arrête de l'appeler comme ça, non?
N'est-ce pas que c'est ton fils? Pardon, oh. Hein? Il est un va à l'intérieur et mange ta nourriture. Manger quoi? Non, non, non. Mais toi, tu vois le problème. Tu vois le problème? C'est ce que vous faites. Tu es celle qui nourrit sa stupidité. Eh, Obina, va dans la maison et va manger. Non, pas de problème. Va dans la maison et va manger. Mais tu sais quoi? C'est très très clair pour moi maintenant que je sais ce que je vais faire. J'irai juste vendre une de mes portions de terre. Je construirai une nouvelle maison. Puis je vous laisserai vous vivre ici. Puis j'épouserai une autre femme pour passer du bon temps avec elle. Maman, est-ce que tu as entendu? Hein? Je parle plutôt d'avoir ma propre femme. Tu veux épouser une nouvelle femme? Cela ne va jamais se faire dans cette maison. Bien sûr, ça n'arrivera pas dans cette maison. Bien sûr que je vous laisserai cette maison avec ton enfant. Et moi, je vais construire une maison où j'irai avec cette femme. Et tu me parles encore de cette maison. Ça ne va pas dans ta tête. Non, c'est toi qui... C'est toi qui as tous tes sens. Non, c'est toi qui as tous tes sens. Et c'est pourquoi tu soutiens un homme qui ne sait même pas... Tu penses que tu es un petit garçon? Tu es un homme. Dépêche-toi et après tu iras faire la cuisine. Maman, je vais aller prendre du bois. Vraiment? Tu vas aller prendre le bois? Ou tu veux aller passer ton temps avec ton amour, Obina? Écoute-moi, tu n'iras nulle part. Finis ce que tu es en train de faire. Va à l'intérieur et prépare pour ton père. Dépêche-toi, non? Le voilà venir. Tu n'as pas du tout honte, je vois. Tu ne l'as pas vu à votre lieu de rendez-vous et tu as décidé de venir ici pour la voir. Hein? Peu importe, maman. Bonjour. Obioma. Qui est ta nez? Qui est ta nez? Obina, s'il te plaît, fais quelque chose avec ton temps, non? Fais quelque chose avec ton temps, tu es un homme. Arrête de suivre Obioma à tout moment. Tu n'es pas une mousse. Fais quelque chose avec ton temps. Mais il n'est qu'un ami, non? Nous qu'est-ce que tu as dit? Il n'est qu'un ami? Alors tu as la bouche pour parler. Et toi, tu as tes deux pieds pour rester là. Ne vous inquiétez pas. Attendez. Laissez-moi là à l'intérieur et je vous reviens. Attendez, je vous reviens. Vas-y, profite. Vite. Où sont-ils? Revenez, non? Vous êtes fort. Revenez ici et laissez-moi casser votre tête avec ça. Idiot. Et toi, Obioma, va et reviens. Tu viendras me trouver ici. Owajuwa, vas-y et reviens. Je crois qu'elle a failli me tuer, hein. Attends d'abord que je m'occupe de toi. S'il te plaît, Obina, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu as de la chance. Obina. J'allais te donner une très bonne leçon. Mettons-nous même ici. Obi ne suis pas cette fille. Elle ne faisait que chercher des problèmes. J'allais sévèrement la frapper. Sérieusement. Oublie ça, s'il te plaît. Mais Obioma, tu ne devais pas venir avec moi. Hein? Que voulais-tu alors que je fasse? Rester là-bas pour qu'elle puisse mettre son agression sur moi? J'ai eu une accolade avec Okina hier. On s'était querellé, puis après, il m'avait poussé. Okina? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il m'avait juste vu sur la route et ce qu'il disait après, c'est que... Il me prévenait de rester loin de toi. Avant que je ne sache ce qu'il y avait, il m'avait bousculé. Ne me dis pas que tu... Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu avais fait lorsqu'il t'avait poussé? Obioma,
Oui. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu fréquentes Kena? Quoi? Comment oses-tu me poser cette question? Tu veux dire comment est-ce que je côtoie Kena ou quoi? La manière dont il parlait de tout ça, la manière dont il réagissait. Je ne sais pas, mais la manière dont il m'avertissait, la manière dont il criait... Et tu as pensé que je sors avec lui? Non, j'ai... Je suis confus. En fait, en effet, je m'en vais. Obioma. Obioma. Qu'est-ce qui t'a pris beaucoup de temps? Et où est ton galant? J'ai oublié mon galant. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas aux environs. Il n'est pas là. Je sais qu'il passera ici lorsqu'il rentrera à la maison. Alors, je l'attends ici. Parce que je veux qu'il puisse me laver. Parce que je fais beaucoup pour lui. Tu comprends, non? Je suis ici. Bien. Je pense que je vais l'arranger la maison et préparer pour lui. Pendant que toi, tu cherches des lots et une boîte de chauffage. En tant que qui? Tu oui, n'as qu'à non? la fermer. N'importe quoi. C'est toi qui vas commencer à préparer et puiser de l'eau. Et moi, je chercherai du bois de chauffage. Oui, je n'aurai pas honte. N'importe quoi. Hein? Tu sais que c'est moi qui ai commencé à m'intéresser à Ekin à la première. Regarde, j'essaie juste de t'aider. Je ne suis pas intéressée à ton Ken Mao. C'est vrai, ça? Juste de t'aider, s'il te plaît. Je ne connais pas ton plan. Je ne sais rien de ce que tu planifies. Tu sais que j'ai eu une mauvaise expérience avec toi dans le passé. Hein? Et je ne veux pas que cela se répète. Voilà pourquoi je suis très prudente avec toi. Tu crois que je ne te vois pas lorsque tu le regardes, lorsqu'on le rencontre là en cours de route, hein? Je te vois très bien, je t'observe très bien, ma chère, t'inquiète. Regarde, écoute, oublie un peu le passé. Devine qui est-ce que j'ai vu aujourd'hui. Ah, qui? Obiacho. Avec son paresseux petit ami. Hein? Oui, non? Fallait le voir comment est-ce qu'il s'est promené dans la brousse. Dans la brousse? Oui, non? Fallait le voir comment est-ce qu'il s'est baladé inutilement dans la brousse. Ce garçon est vraiment éhonté. Je ne sais pas ce qu'il voit dans Obioma en question. Mais là, envoûté, non? Hey! Il fallait voir comment est-ce qu'il se suit là-bas dans la forêt. Il ne se contrôle même pas. S'il te plaît, pardon. Garde ça d'abord. J'attends Ikena ici. Il peut passer par là sans que je le voie. Alors, je l'attends. S'il te plaît. Maman. Oui. Bon après-midi. Sois le bienvenu. Il semble que vous sortez. Oui, je vais aller quelque part. Ok. Et où connaissez-vous votre mari? Il était un peu sorti, mais il va rentrer bientôt. Tu peux l'attendre ici. Non, non, ce n'est pas un problème. Qu'en est-il d'Obioma? Obioma? C'est une étude de fille. Cette éhonté de fille. Attends, Obi... Non, Okina. Pourquoi tu te laisses minimiser devant ces gens? De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Pourquoi tu choisis Obioma parmi toutes les autres pour devenir ta femme? Okina, Obioma ne mérite pas un jeune homme prospère comme toi. Tout le monde voit Obioma et Obina tout le jour dans ce village. Ce n'est même pas caché. Et c'est la personne que tu veux prendre en mariage. Regardez, maman, je ne vous en faites pas. Je sais ce que je veux dans ma vie. Okina, il y a de très belles filles qui cherchent à être avec toi dans ce village. Même la princesse veut être avec toi. Pourquoi tu choisis Obioma? Qu'est-ce que tu trouves de si spécial en elle? Hein? Elle ne t'apporte que honte et moquerie. C'est ce que tu veux? C'est très bien, maman. Quand votre mari sera de retour, dites-lui que je t'ai venu le chercher. Tu pars à cause de ce que je suis en train de dire? Voyons, c'est pas ça. À son retour, dites-lui que j'étais venu le chercher. Hein? Merci. Voyons, dis-moi quelque chose, essaye de tout me raconter. Je n'ai aucune histoire à te raconter. Si tu en as, vas-y. Même celle des tortues et celle des éléphants dans la jungle. Peut-être que toi, tu en as. Vas-y, raconte-la moi. Obioma? Hmm? Mais pourquoi est-ce que, à chaque fois que nous venons ici pour passer du temps, c'est comme s'il veut toujours pleuvoir? Et finalement, tu sais qu'il ne va pas pleuvoir. Pourquoi? C'est toi toujours qui insistes à ce que nous puissions nous voir ici.
On peut aussi se rencontrer ailleurs. Obioma, nous parlons de devenir ma femme, pas de... Tu vois? S'il te plaît, ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Allons-y d'abord. Obioma, mais nous venons tout juste d'arriver. Allons-y, oh, calme-toi, allons-y d'abord. D'accord, alors c'est bon. Quand j'ai trouvé quelque chose, je viendrai de ses côtés. Salut. Salut, Okena. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? On s'était décidé de t'aider avec de l'eau et le bois de chauffage. Voilà pourquoi on était partis très loin juste pour chercher de l'eau. Oui. C'est vraiment gentil de votre part. Mais en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Oui. Mais tu n'as pas de femme qui peut faire tout ça pour toi. De toutes les façons, je veux me marier bientôt. Même si je ne l'ai pas encore annoncé. Donc, tu vas te marier? Oui, exactement. Alors, on va faire ceci. Hein. Vous allez m'accompagner quelque part. OK? Avec de l'eau et ce bois de chauffage. D'accord? Alors, venez, on va faire ça. J'espère que ce n'est pas lourd. Alors venez, c'est très gentil pour vous les filles. venez. Hey Ona, quel genre de femme es-tu? Pourquoi es-tu si méchante jusqu'à ce point? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'Obioma t'a déjà fait pour lui être aussi hostile jusqu'à ce point? Hein? Pourquoi est-ce que tu la traites comme une esclave ou simplement parce qu'elle n'est pas ta fille? Laisse-moi te dire une chose. Obiora est ma fille, elle est mon unique enfant si tu ne le sais pas. Revois ta façon de la traiter dans cette maison, je te le préviens. Pourquoi tu cries sur moi? N'ose plus crier sur moi. Ta fille sort tous les jours de cette maison pour aller se promener avec son petit ami. Qu'est-ce que tu fais, ton père? Tu ne l'as que pour me blâmer. Ne le répète plus haut. N'ose même plus. Oh, oh, je comprends maintenant. Est-ce parce qu'elle n'est pas ta fille biologique? Ça, je te le préviens. Obioma n'est pas ton esclave dans cette maison. Si elle n'avait pas peur de toi, alors pourquoi est-ce qu'elle a fui de la maison? Sache que je te mets en garde. Ah, Ichi. Obioma n'est pas ton esclave. Hein? Bon après-midi, Ichi. Bon après-midi. Obioma n'est pas ton esclave. Alors, en descendant... vous êtes brave en disant ça. Ichi, maman, j'étais venu vous voir. Madame m'a dit que vous allez voir Igwe. Oui, c'est vrai. Ok, j'avais apporté ces bois de chauffage et ce bidon d'eau pour vous. Waouh, c'est très gentil de ta part. Oui. Et comme tu peux l'observer, les travaux ménagers dans cette maison deviennent plus difficiles pour ma fille Obiora. Je sais. En fait, elles apportaient ces torches moi à la maison. Mais bon, vous savez que je ne manque rien. J'ai assez de bois de chauffage, de l'eau j'en ai aussi assez. Donc je m'étais décidé de venir avec ici. Pour l'amour de ma vie. Bien, ok, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Ah, comment oses-tu nous faire ça? Hi. Je suis déçue de toi, Okena. Donc on a porté ces taux depuis chez toi jusqu'ici. Avec ces bois de chauffage juste pour Obioma. Ça ne vous plaît pas. On va aller. Tu gaspilles ton temps et ton énergie, je sais pour rien. Alors, qui pouvait croire que Okena allait s'intéresser à Obioma et qu'il allait vraiment me faire ça? Alors, avec toutes les filles de ce village, c'est Obioma que Okena avait épousé? Cela n'arrivera jamais. Non tant que je deviendrai un objet de moquerie dans ce village, je ne le permettrai jamais. Non tant que je serai encore en vie, non.
Écoute, s'il y a quelque chose que tu veux faire, sois sûr d'attaquer Obioma. Okena est innocent. Tu ne sais pas que Obioma a envoûté Okena. Elle a ensorcelé, non? Alors si tu veux faire quelque chose, fais-le à Obioma. Tu ne vois pas qu'elle a ensorcelé Okena. Et tant qu'elle sera en vie dans ce village, elle est prête à ensorceler tout le monde dans ce village. Ça n'arrivera jamais tant que je serai en vie. Non. Tu dois réagir immédiatement. Tu dois trouver la solution à ces problèmes. Obioma, c'est où la nourriture, hein? Je suis là. Papa, tu es de retour? Obina, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu es un peu comme ça. Je ne comprends pas, tu es tout juste heureux aujourd'hui. Papa, Obioma est venu préparer pour nous. Obioma est là. Elle est dans la cuisine en train d'aider maman. Oui, papa. Ok. Papa, non, viens te mettre. La nourriture sera bientôt prête. Viens juste t'asseoir. C'est le repas qu'Obioma a fait pour nous. Viens juste t'asseoir. Que j'aille juste voir si elle a fini. Oui, j'arrive. Je ne savais pas que ces petits étaient assez tenaces. Papa, elle a dit qu'elle nous serait prête, alors que j'aille prendre l'eau pour laver les mains. Hey, donc c'est parce que Obioma est là qu'il est en train de rire par-ci par-là comme ça. Est-ce que c'est ça? Lorsque tu auras goûté le plat d'Obioma, tu vas vraiment réaliser cette différence des plats. Attends. N'essaye pas d'être cet imbécile qui se permet à dire que le plat de sa petite amie est plus mieux que celui de sa mère. Papa, si tu manges cette nourriture, tu manges ces plats, tu vas oublier ces proverbes. Tu vois cette nourriture complètement préparée. Ta vie ne restera pas la même. Les délices de Bioma. C'est Bioma qui l'a préparée. Je t'ai dit la vérité. Ok. Elle avait dit qu'elle va nous visiter aujourd'hui. Afin qu'elle aide maman. Qu'aide maman. Orina, à la cuisine. C'est quoi ce genre de bêtises? Obina, c'est quoi cette bêtise? C'est quel genre de blague ça? Mais je venais juste de prendre la nourriture chez Obioma. Oloma! Nai, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est maman. Quoi? Nai, j'avais acheté des poissons qu'on mélange avec la sauce. C'est ce que Obioma a préparé pour te servir. Et c'est lui qui m'a apporté ceci. Où se trouve Obioma? 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 Maman? Où est-elle? Elle n'est pas dans la cuisine. Que j'aille d'abord comme ça. Obioma? Obioma? Maman Miri? Que fais-tu ici? Je suis venue m'amuser. Comme je ne peux pas lui faire du mal, je ne peux pas aussi ne pas m'amuser. Qu'est-ce que tu as fait? Va voir toi-même. Obioma? Obioma! Obioma, ça veut dire quoi ce que tu viens de faire? Mais quoi? Comment peux-tu servir à mon père une assiette remplie de viande crue et de sable? Oh! Hein? Obioma, pourquoi? Même si tu as choisi de me disgracier, pourquoi est-ce que ça doit être devant mes parents? Hein? Une assiette de sable? C'est...
Obioma, pourquoi? Pourquoi, Obioma? Hein? Ce dont tu as besoin, c'est derrière toi, Oledo. Viens avec moi. Laisse-moi t'emmener à la maison. Ezemili t'attend. Igu n'est pas loin d'ici. Juste une petite distance, tu vas laisser ce monde méchant. Ce monde est rempli de très bonnes personnes. Je sais que tout le monde dans ce village me déteste. Mais j'ai quelques personnes qui m'aiment. Mon père m'aime. Obina m'aime aussi. Et je sais que si ma mère était en vie, elle allait aussi m'aimer. Donc tu penses que ces gens t'aiment? Quand j'avais vérifié la dernière fois, Obina te déteste. Elle allait être ici en ce moment en train de t'attendre. Et pour ton père, ne pense même pas rentrer là-bas. Parce que ça sera une grande erreur de ta part. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Peux-tu seulement me laisser vivre en paix? Même si ça sera juste pendant un court moment. Laissez-moi juste vivre dans ce monde en paix. Sais-tu pourquoi Ezemili te tourmente? C'est parce que tu es tombée amoureuse d'un mortel. Je finirai par accomplir ma mission, que vous le vouliez ou pas. Obi. Obim, s'il te plaît, peux-tu m'écouter? Obim, s'il te plaît, je suis venue te demander pardon. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Tu ne vas rien comprendre. Je ne l'avais pas fait intentionnellement. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Obim, s'il te plaît, pardonne-moi. Obioma, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Laisse-moi tranquille. Hein? Hein, s'il te plaît, quand je viens de le dire, tu ne vas rien. Obioma, va-t'en. Je ne veux pas te voir. Obioma, s'il te plaît, ce n'est pas moi qui avait fait ce que tu penses. S'il te plaît, Obioma, je t'en prie. Obioma, écoute-moi, non? S'il Alors, te qui l'a fait? Est-ce que c'est moi? Ok. C'est ma mère qui a mis du sable dans cette assiette. D'accord, alors c'est mon père. Obioma. Sais-tu que mon père m'a presque rejeté pour ce que tu as fait? Hein? J'ai eu un grand différend avec mon père, à cause de toi. Obim, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, je t'en supplie. Obim, s'il te plaît, je t'en prie. J'ai dit va-t'en. Laisse-moi tranquille. J'utiliserai ça sur toi. Va-t'en. Obim, s'il te plaît, je suis désolée. Tiens, oh oh, ok, non, mon fils, Obiora est déjà ta femme. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à la maison et commence à te préparer pour le coutumier. Tu sais que c'est mon aimable fille, et si je lui demande de faire quelque chose, elle va obéir. Merci, monsieur. Mais vous n'allez pas le forcer, oh. Parlez-lui et je crois qu'elle va accepter. Ok, non. Depuis le jour où tu t'es intéressée à Obioma, elle est devenue ta femme. Tu n'as même pas à te déranger. Ouais, c'est à qui? Une autre chose.
Tu sais, non, et pour la mère de la mariée, j'ai besoin d'un nouveau pagne parce que ces jours-là, j'ai d'être aussi très jolie. Comme vous l'avez décidé comme ça, considérez que c'est fait. Merci. Je veux vous l'acheter. Tais-toi. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, amène-moi la chèvre. Amène-moi. C'est pas possible. Ne lui forcez pas, ok? Mm-hmm. Parlez-lui seulement. Laisse-moi aller attacher la chèvre. Il n'y a pas de problème ici. C'est merveilleux. Ces jours-là, j'aurai aussi besoin de nouvelles choses. Oh. Je vais l'acheter. Sois calme. Ah, je dis qu'elle est déjà ta femme. Sois tranquille. Où penses-tu aller? Regardez, elle s'est réveillée. Hmm? Donc tu as choisi d'être une pierre d'achoppement pour moi quand je finirai avec toi. Ton petit ami ne te regardera plus dans le visage. N'est-ce pas que c'est mieux de la donner une bonne leçon qu'il ne va pas oublier de sa vie? Ce sera une bonne chose. Ah! Amant Mary. Je savais que tu allais venir. On m'avait montré un signe. Alors j'avais choisi rester pour t'attendre. Et Émilie, ton mari, est très très jaloux. Et pour ça, tu ne peux qu'avoir des difficultés pour émerger. S'il te plaît, j'aimerais me séparer de lui. Ma fille, nous devons voir ton père. Suis-moi. Laisse-moi garder ces trucs. Et nous allons partir. Que je puisse vous suivre. Oui. Nkena, c'est bien que tu sois ici à la maison. Demande à ton misérable de fils de rester loin de ma fille. Je te le répète, demande à ton misérable de fils de rester loin de ma fille. Sinon... Egwamo, je t'ai dit de demander à ton fils de rester loin de ma fille. Egwamo, tu es vraiment stupide, toi. Tu es vraiment stupide. Va dire à ta fille, sorcière. Va maintenant dire à ta fille, la diablesse. Elle veut détruire la vie de mon fils, mais ça ne va pas marcher. Qu'elle reste loin de mon fils. Écoute-moi, je ne suis pas ici pour faire des choses de parler avec toi. Pendant que je suis en train de te parler, je n'ai pas mis de l'eau dans ma bouche. À la fois où je verrai ton inutile fils dans ma maison, je le tuerai. Sois maudit. Egwamo, sois maudit. Tu veux te parler de mon fils? Non, tu vas tuer mon fils. Allez, maintenant sors de chez moi. Que je sorte de chez moi. Sors de chez moi. Tu veux parler avec moi? Tu sors de chez moi. Je veux te frapper. Attends. Tu sors de chez moi. Tu me verras sur ton chemin. Je te le dis. Laisse-moi. Tu es insensé. Tu
Et Benwa, tu dois t'arrêter ici. Tu ne peux pas arriver avec nous à la rivière. Ta fille est libre maintenant. Nous avons apaisé Ezemili. Que les dieux de notre terre soient loués. Ma fille, sois la bienvenue. Vous pouvez partir maintenant. Merci énormément. Merci Ezemwa. Merci. Que les dieux de notre terre soient loués. Je suis un homme heureux. Obim. Obim. Tu es venu chez moi? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.